Bonjour, notre agence s'appelle Santoni Immobilier. C'est le bien-être au travail de nos collaborateurs, de par les moyens et les outils que l'on met à leur disposition. On a par exemple une académie en ligne pour les formations, on va faire du coaching individuel aussi, on va offrir des cours de yoga pour ceux qui veulent en bénéficier. Et en fait, on part du principe que pour pouvoir apporter du bonheur aux gens, il faut déjà apporter du bonheur aux collaborateurs qui passent une partie de leur vie dans leur entreprise. Et le dernier point qu'on pourrait avoir de différent aussi, c'est notre revue, c'est la revue Bien Vivre que l'on édite régulièrement, et un club. Notre objectif étant de fédérer autour de l'habitat des entreprises locales pour s'apporter mutuellement et s'entraider. Alors, ce parcours pourrait être inspirant parce que j'ai démarré très jeune. Une femme, jeune, dans un milieu quand même plutôt masculin, où il fallait avoir une volonté de faire, d'avoir envie de réussir. Donc beaucoup travailler, être passionné, avoir un taux d'engagement qui soit aligné avec sa volonté. Et puis toujours avoir envie de bien faire pour les clients et envie de rendre les gens heureux. Et c'est ce qui a donné du sens à ma vie, aussi bien rendre des collaborateurs heureux que des clients heureux. Et quand on a donné du sens à sa vie, eh bien on y va à fond. On gère au jour le jour. C'est impossible d'avoir une visibilité sur ce qui va se passer. On peut penser que les gens vont monter en compétences professionnelles s'ils ont le choix de travailler sur eux, et notamment en développement personnel, pour apprendre à gérer leurs émotions, la peur, le stress. Il peut y avoir du bon aussi, comme des notions d'entraide qui peuvent se dégager. Et j'espère que ça remettra les relations humaines au milieu des transactions, et que le digital est très très important, mais que cette relation humaine dans des projets humains restera une valeur sûre pour notre profession. Pour valoriser et soutenir le travail des femmes chefs d'entreprise dans l'immobilier, qui peuvent se sentir parfois seules, parce que je participe en principe pour gagner, pas spécialement pour moi, mais pour mes équipes et puis aussi pour être un modèle pour mes filles.